C'est un accord de partenariat qui permettra l'insertion professionnelle d'une équipe de cinq jeunes apprenants de l'école 241 au sein de l'entreprise Canal plus Gabon. Ces derniers vont effectuer un stage d'immersion au sein de la chaîne française. On leur a soumis une étude de cas euh, à l'issue de laquelle euh, un groupe de cinq apprenants sera retenu dans notre entreprise euh, pour un stage d'immersion. Euh, Aujourd'hui, ce n'est pas toujours évident de trouver un stage, ce n'est pas toujours évident d'avoir une expérience professionnelle et on donne à ces jeunes une occasion d'avoir une première expérience professionnelle et pourquoi pas par la suite voir s'il y a des, des opportunités qui, qui s'offrent so à eux. Je vous informe que lundi, on aura euh, fait la sélection de ceux qui vont être euh, en stage une. Avant cette dernière étape de sélection, une vingtaine de jeunes ont travaillé durant un mois pour une étude de cas marketing au sein de l'entreprise Canal ⁇ Ils avaient pour mission de proposer une stratégie de communication digitale de l'application Canal ⁇ Et je pense que c'est une belle opportunité d'insertion professionnelle, d'insertion sociale. Et euh, je remercie énormément euh, Canal ⁇ pour... Euh, la capacité à pouvoir justement arriver vers des acteurs sociaux tels que nous et voir dans quelle mesure on peut collaborer, construire ensemble quelque chose pour le développement bien sûr de leur entreprise, mais aussi pour la promotion et le développement aussi des activités de notre école. L'école 241 a donc décidé d'accompagner Canal+ dans son processus de transformation digitale en mettant à leur disposition des solutions sur mesure et adaptées concernant l'application Canal+ avec plusieurs fonctionnalités. Cette application donne la possibilité de visionner en replay plus de 50 000 programmes à tout moment et un accès au direct des 300 chaînes débloquées Canal+.